Noémia, merci de recevoir le Rouen Handball pour cette interview témoignage. Pour commencer, ce que je vous propose, c'est de vous présenter et de présenter un peu votre société. Je suis Noémia, la gérante de deux agences Stéphane Plaza sur Rouen, une qui se trouverait gauche, une qui se trouverait droite. C'est la continuité d'entreprise que j'ai créée en 2008 et donc je fais partie du réseau Stéphane Plaza Immobilier depuis maintenant un an. C'est avec fierté que je porte cette marque puisque c'est une marque qui porte des valeurs humaines très hautes, telles que la bienveillance. Noémia, donc le partenariat avec Rwanda, il date depuis quand? Il date depuis l'année dernière. Jacques est venu justement à l'ouverture de l'agence au mois de mars et il parlait du club avec tellement de passion qu'il m'a donné envie de faire moi-même partie de l'aventure à mon petit niveau. Qu'est-ce qui s'est passé cette année avec le partenariat? Alors, on a eu notre logo sur les t-shirts de l'équipe. On a eu une distribution de flyers avant les matchs. J'ai aussi Jacques qui est venu me voir au salon de la déco au Zénith. Donc c'est un vrai partage gagnant-gagnant où on est Eh actifs tous les deux. bien, est-ce qu'il y a une chose en plus que vous voudriez faire ressortir par rapport à ce partenariat? Que c'est une équipe de filles, comme je suis une fille, donc je les soutiens. Elles sont pleines de valeurs humaines. C'est un club qui est très dynamique et très bienveillant. Et comme la marque Stéphane Plaza, c'est la bienveillance. Voilà, je trouve qu'on va bien ensemble. C'est très gentil de ces propos. Moi, en tant que représentant de Rouen Handball, j'en vois la réciproque. C'est vrai qu'on apprécie beaucoup ce partenariat qui est dynamique, sympathique, avec une vraie volonté d'avancer, mais dans le plaisir et dans la sérénité. Noémia, dernière question Que je vais vous poser. Donc, vous êtes partenaire depuis un an. Est-ce que vous prolongez le partenariat? Bien sûr, avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. D'ailleurs, un de mes moments forts, ça a été la venue de l'équipe à l'agence et on a vraiment partagé un très bon moment. Enfin, c'était un moment touchant. Oui, effectivement, j'étais présent aussi. Et on a même fait un petit making-of, Oui, d'ailleurs, qui permet tout à aussi fait. de communiquer sur les réseaux sociaux. Je crois, si je ne me trompe pas, que justement l'année prochaine, on va insister un peu plus encore sur cette partie-là. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Et je vais même faire l'effort de venir voir un match parce que j'avoue que le temps me manque un peu. En plus, eh bien, l'an prochain, nous, le club organisera aussi des soirées événements donc autour des féminines, qui ont fait une super saison et qui vont faire une nouvelle super saison. Et en parallèle aussi, on se dote d'un community manager qui permettra avec votre collègue Jérôme, hein, qui est ici à ma gauche, d'échanger sur tout ce qui est réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que c'est une force d'être suivi. Enfin, nous, on suit votre club et le club nous suit. Et c'est vrai que c'est une réelle puissance pour notre notoriété. Ok, bien merci beaucoup pour cette Je vous interview. en prie. Et je vous souhaite, et tout le club vous souhaite, une bonne saison professionnelle et handballistique. Moi de même, et la division pour l'année prochaine. Merci beaucoup. À bientôt.